Réveillé Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hey Corneille, pas si fort. Je sais ce que c'est Bernie car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles la belle vie, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'intéresse à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention, c'est nous Corneille et Bernie. On est trop forts. John Bess, ça va? Bienvenue dans la réplique exacte du temple Kikitikal. L'original se trouve dans les profondeurs de la jungle guatémaltèque. Oh, c'est trop beau. De ce temple a duré plus de 100 ans. Ici, sur votre gauche, vous verrez un autel dédié au soleil. Cette réplique a été bâtie en suivant les méthodes employées au 3e siècle avant Jésus-Christ. Il est d'une solidité à toute épreuve. Et on dirait un peu Tante Abigail, tu trouves pas, Corneille? Bernie ne touche à rien. Ouais, c'est bon, je vais rien abîmer. Allez, je vais me faire un petit selfie. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Marge, qu'est-ce que vous avez encore fabriqué? J'en sais pas moi! Attention, pousse-moi! Je suis Pénélope Lamborghini, en direct pour un flash spécial. Ce matin même, une classe entière a été ensevelie sous les décombres d'une réplique d'un temple guatémaltèque. Les secours ont travaillé d'arrache-pied pour les dégager et, par chance, tous les élèves ont été retrouvés. Tous, sauf un. À présent, essayons d'obtenir plus de précisions sur cette terrible catastrophe. Commissaire Bouzin? Commissaire Rameau, l'heure tourne. Les chances de retrouver cet élève sain et sauf sont de plus en plus minces. Que pouvez-vous nous dire? Nous examinons actuellement les éventuels indices qui nous permettront de localiser... Est-ce que vous avez déjà confirmé l'identité de la victime? Et les éléments de notre précession ne nous permettent pas de faire toute la lumière sur eux. On peut dire qu'on a eu du beau, Corneille, hein? Corneille! Chers téléspectateurs, c'est absolument incroyable! Mais vous n'avez rien! Même pas la moindre petite égratignure! Corneille! Corneille, t'es où? Oh! Te voilà, copain! Eh ben, heureusement que j'étais là, hein, pas vrai, mon petit Corneille? Comment une telle chose est-elle possible? Comment cet élève a-t-il pu sortir indemne de ce terrible drame qui a pourtant envoyé tous, je dis bien tous ses camarades, à l'hôpital? Tu sais, finalement, je suis pas sûr que ce soit une super idée d'aller leur rendre visite. Oh, au contraire, Bernie, c'est très courageux de ta part d'assumer tes responsabilités. Je suis extrêmement fier de toi. Oh ben non, quel dommage, zut de flûte, les chiens sont interdits, on ne peut pas y aller. Bon bah tant pis, on n'a qu'à rentrer dans nos maisons. Bernie, tu ne peux tout de même pas te défiler maintenant, voyons. Allez, un peu de courage. Non mais c'était pour rire en fait. Allez, on y va, hein. J'y vais. Salut, ça boum! Oh non, tout le monde, mais pas lui. Regardez ce que je vous apporte, une boîte de... chocolat. Ça sent la crise de foie, hein. T'es pas bienvenu, Bernie. Waouh! En tout cas, vous êtes drôlement bien installé dans cette chambre, hein, dites donc. Vous avez trop de la chance, ça doit être trop cool ici. Et je parie même que vous vous faites dorloter par de jolies infirmières. Bonjour. Ça a l'air bon. Bon appétit, les garçons. Ouais.
Oh. Oh waouh, trop bien! Vous avez même la télé! Après être resté sous les décombres pendant plus de 4 heures, Bernie Barge est miraculeusement sorti indemne. Est-ce de la chance? Ou bien est-il incassable? Ouais, mais en fait, c'est pourri comme programme, on va changer, hein. Oh, bah dis donc, hé! Oh, vous avez une vue incroyable sur le... Sur le cimetière? Sors de là! Pas par la fenêtre! Mais comment il a fait? Bah alors, j'ai strictement rien senti. Et le trottoir, il était même super moelleux. Mais alors, ça doit être vrai. Ouais, je suis incassable, les copains. Incassable, non? Écoute, Bernie, pour la énième fois, je te répète que tu n'es pas incassable. Ah, tu parles et blablabla. C'est moi qui t'ai protégé dans le temple maya en te poussant sous une arche. Et c'est moi qui ai poussé une civière pour que tu rebondisses dessus. Tu parles, t'es juste jaloux parce que j'ai un super pouvoir. Eh ben figure-toi que je vais m'en servir pour devenir un super héros. Ouais Corneille, à partir de maintenant je serai là pour défendre la veuve et l'orphelin. Ça claque non? Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Regarde bien mes babines, Bernie. Tu n'as pas de super pouvoir. Redescends sur Terre. Corneille, hé, tais-toi. Je peux pas arrêter de voleur si tu m'empêches de me concentrer. Enfin, les voleurs, ça ne court pas les rues. Tu disais, Corneille, sirène. Vous n'en faites pas, messieurs. Laissez faire super Bernie. Dis donc, Corneille, tu sais que t'as une bonne tête d'acolyte? À toi de jouer, mon fidèle acolyte anonyme! C'est un vrai danger public. Merci infiniment d'avoir tenté d'arrêter ces malfrats. Vous savez, je faisais que mon devoir. Oui, d'accord. Ici, le chaos règne. Un seul individu a échappé à toute blessure. Une fois encore, il s'agit de Bernie Barge. Oh, mais j'aperçois le chef des forces de l'ordre. Commissaire Bouzin, comment avez-vous l'intention de procéder pour arrêter ces dangereux criminels? À l'heure actuelle, il est encore trop tôt pour tirer hâtivement des conclusions qui s'imposent. Commissaire Bouzin, à votre avis, est-il possible que Bernie Barge soit réellement incassable? Les éléments, notre possession ne nous permettent pas. Notre ville aurait-elle enfin trouvé un véritable super-héros? Voulez la vérité, ce garçon est un danger public. Eh bien, voilà un scoop exclusif pour nos téléspectateurs. Merci, commissaire. C'est épouvantable. Il faut que je prouve à Bernie qu'il n'est pas incassable avant qu'il ne lui arrive malheur. Alors je n'ai pas le choix, je vais devoir faire mal à mon meilleur ami. Non, je ne peux pas faire ça. Si, il le faut. Allez, rien qu'un petit coup de rien du tout sur le pied. C'est pour son bien. Un danger public. Non mais n'importe quoi, je vais lui faire ravaler ses insultes. Je vais les arrêter, moi, ces criminels. Bah ouais, c'est une question de... Ah ouais. Bingo. Ah, Corneille, ah bah tu tombes bien. Qu'est-ce que tu penses de ma tenue de super-héros? Elle est pas belle, hein, franchement. Et en plus, c'est du coton et on peut voler avec. Allez bien, fidèle compagnon. On va s'écraser. Me prends de panique, Corneille, je suis un super-héros, t'as déjà oublié? On est foutus. Mais non. Vite, dans tes bras, Bernie. Dans tes bras. Franchement, Corneille, admet que je gère en super-héros. Devant toi.
sauver Bernie. Nous avons eu beaucoup de chance. Oui, Bernie, oui, ça crève les yeux. Bernie Barge, je ne sais pas comment vous remercier. Sans votre aide inestimable, jamais nous n'aurions pu arrêter ces terribles malfaiteurs. C'est pourquoi j'ai l'immense plaisir de vous remettre la médaille de l'honneur. Trop la classe. Comme vous venez de le voir en direct, chers téléspectateurs, la ville a enfin trouvé son super-héros. J'ai nommé Bernie Barge. Ou plutôt, devrais-je dire, Bernie l'Incassable. Rien ne l'effraie, rien ne peut l'atteindre, ni lui faire mal. Aïe oh, non mais ça fait mal. Bah quoi, qu'est-ce que vous croyez? Bah ouais, ça pique, ça fait mal, c'est... Non mais attendez une seconde, si j'ai eu mal, ça veut dire que... Je suis pas incassable en fait. Ah non, je peux pas y croire, j'ai risqué ma vie.